pourras m'aider à gérer une bœuf avec tes techniques. Ouais. Tu sais, je pense que tu pourras m'aider à faire ça. Bien sûr. Tu vas l'amener chez nous. Waouh, à un point. Waouh. Dis comment tu me trouves. Elle a dit qu'elle me trouve cool. Elle pense que je suis un bon gars. Oh, t'as plus de chance. Oh my god. Fuck. Ça veut dire quoi? Dis-moi, s'il te plaît. Yo, tout le monde, je vous bien. Je vais demander à mon petit frère de m'aider à gérer une meuf. Il y a quelques jours, il m'a parlé du Reese. Et le Reese, c'est de savoir comment gérer une meuf. Tu vois, savoir comment parler avec une meuf. Et lui, il m'a dit qu'il en avait. Donc là, je vais demander de m'aider à gérer une meuf avec cette technique. Donc on y va pour la vidéo. Réagir à la fin. Go. Bon, mon petit frère vient d'arriver là. Et il est là. Il est dans la salle là. Let's go. T'as du Reese, non? Oui, j'ai du Reese. Comment tu sais que t'en as? Comment tu sais que t'as du Reese au fait? Je sais que j'ai du Reese. Comment tu sais qui t'a dit que t'en avais? J'ai juste du Reese. T'inquiète. Mais comment? Dis-moi, je veux des preuves. Juste t'inquiète, j'ai du Reese. Ne t'en fais pas pour ça, ok? Ok. Tu vas m'aider à raise une meuf, ok? Tu vas m'aider à gérer une meuf avec tes techniques. Ouais. Parce que t'es le roi ici, tu vois? Ouais. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider à faire ça? Bien sûr. 100%. 100%, comme. Tu vas l'amener chez nous, comme. Waouh! À un point! Waouh! Waouh! Je l'amène à la maison, là? Ouais. Yeah! Donc toi, t'en as déjà amené ici? T'inquiète. T'as déjà amené des meufs ici? T'inquiète. Let's go. T'as amené des meufs ici? Juste, let's go. Quand? Ah ouais, ok. Sur Instagram, c'est... Non, je ne vais pas dire sur Instagram. Dis sur Instagram. Non, je dis pas, pourquoi? Tu veux utiliser mes techniques de Wiz et je connais pas l'Instagram de la fille? T'as pas besoin de savoir, pourquoi tu veux savoir? Yo, tu me dis Instagram, sinon je ne sais pas. Pourquoi tu veux savoir tout ça? Ok, au moins son nom. Non, son nom, ok, on va dire fille, on l'appelle fille. Yo, mais... à un moment, je serai obligé de savoir son nom hein, pour faire mes techniques de Wiz. Commençons, s'il vous plaît. Ok, voilà, donc là, j'écris quoi? Je commence avec quoi? Tu l'as déjà parlé un jour? Ouais, déjà parlé, nickel. Ça fait 2-3 mois qu'on parle, frère. Wow. T'es sûr que tu l'as déjà parlé? Ouais. Bon, ça fait 2-3 mois qu'on parle. On s'est déjà appelé. Tu vois, c'était cool. Le vibe est cool. Donc, l'énergie est cool. Tu vois, on rit. Une belle énergie et tout. Là, j'aime ça. Pour commencer, tu dis genre. Tu la salues, une salutation. Genre. Comment? Genre, je dis quoi? Une salutation. Tu écris une salutation, c'est ça? Oh, yo, comme. Hi, quelque chose comme ça. Ah, allô. Bonjour. Allô. Salut, quelque chose comme ça. Salut. Ah, t'as vu de quel pays? Elle est moitié. T'as pas besoin de savoir ça. Ah non. Si tu me dis pas ça, moi je monte live. Mais toi, t'as pas besoin de savoir tout ça. Elle est de quel pays? T'as pas besoin de savoir tout ça. Pourquoi moi, je monte alors. Non, ok, pardon. C'est bon. Elle est noire, blanche ou c'est quoi sa couleur de peau? T'as pas besoin de savoir ça. Yo, junior. Tu sais, je monte dans. Ok. Quoi? Dis-moi. C'est bon. Oh, il a répondu, il a dit allô. Ok, dis comment ça va. Comment ça va? Et ensuite, je vais dire quoi? Comme juste. Attends qu'elle réponde. Attends. J'attends qu'elle réponde, ok. Et toi, tu prends combien de temps à peu près pour répondre au message? Je prends mon temps. Combien de temps à peu près? Tu réponds vite? Ça dépend de la personne aussi. La personne, ah ouais, ok, c'est intéressant. Si c'est une personne qui, genre, t'as envie de la pécho, genre. Oh! Pas attendre beaucoup de temps, mais genre. 10 minutes par message. 10 minutes par message? Pourquoi? 10 minutes à 5. Pourquoi? Tu dois être comme... Je sais pas comment expliquer. On doit se poser des questions sur toi, genre. Ok. Elle a dit ça va bien et toi? J'ai quoi? Tu dis ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Et elle a à peu près, je pense, 2 ans. 2-3 ans plus que moi. Elle a 2-3 ans plus que moi. Elle a 20 quelque chose là. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, oh, merde, qu'est-ce qu'il y a? Mais... C'est pas bon? Non, on continue. C'est pas bon? Vas-y, t'as continué. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi, t'as ri? Non, attends, je fais quelque chose de mauvais là? Non, non. Non, mais dis-le-moi. Mais adulte, tu peux faire ce que tu veux. Ah, ok, c'est bon. C'est bon. T'as commencé à rire parce que j'ai dit 3 ans plus que moi là. C'est bon, elle a dit, tu fais quoi? Elle a dit, tu fais quoi? Invente quelque chose. Ben, comme quelque chose de réaliste. Je dis quoi? Je suis sur mon téléphone. Je suis sur mon téléphone. Okay, non, quelque chose de plus intéressant, genre. Plus intéressant. Ah, donc il faut être intéressant parce que j'ai remarqué que tu utilises beaucoup le mot intéressant. Faut être intéressant, c'est ça? Faut pas être genre bizarre, c'est ça? Non, mais tu peux être bizarre, mais dans un bon sens, genre pour la faire. Mais où t'as pris tout ça? T'inquiète. There is, man! Donc là, il faut être intéressant. Donc tu peux pas dire que je regarde TikTok. Elle va prendre plein. Qu'est-ce qu'elle aime, genre? Qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime la méditation. Je médite. Je médite. Ah, donc là? Je méditais, genre. Je méditais. Donc là, tu me dis de mentir, en fait. C'est ça? Ah, c'est ça la vie, hein. Donc tu me dis de mentir pour voir. C'est ça? Juste dis. Je méditais. Voilà. Mais c'est ça, tu me dis de mentir, là, parce que je méditais pas. Ben, juste t'inquiète. Elle va te trouver plus intéressant encore.
Ok. Mais si un jour elle me dit de venir, on va méditer ensemble et... Mais tu sais méditer, non? Ouais, ouais, mais genre, tu vois, dans un cas où, genre, elle médite pas, tu vois, elle fait autre chose. Et là, maintenant, elle dit qu'on va faire l'activité, j'arrive là-bas et je sais pas le faire. Qu'est-ce que je fais, alors? Mais juste, du coup, comme tu demandes, tu poses des questions, il faut poser des questions aussi. Ok, intéressant. Elle a dit, oh, cool. Demande-la, et toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Et toi, tu fais quoi? Ça veut dire quoi, le oh, cool, là? Elle aime ce que tu fais, je pense. Oh, cool, comme, c'est cool. C'est pas trop safe, là? Tu m'as dit qu'elle est intéressée. Est-ce qu'elle a mis des emojis à la fin? Non, elle a juste mis oh cool. C'était sept. Elle a mis un point, quelque chose comme ça? Rien, juste oh cool. Okay. C'est ça? Oh putain, merde! C'est dans son habitude qu'elle fait ça? Je sais pas, non. Ouais, elle est vraiment sec. Elle est vraiment sec. Alors, laisse, juste laisse. Ça va? Ouais, ça va. Ça. Ok. Elle a dit qu'elle était dehors. Qu'est-ce qu'il fait? Demande-la comme où elle est, genre. Où elle est? Ouais. Où t'es? Non, pas comme ça, comme. Quoi? Qu'est-ce que tu fais, genre, amical? Et qu'est-ce que tu fais dehors, comme, okay. Juste comme ça? Attends, pourquoi? Mais genre... T'es avec un mec, c'est ça? Si aussi tu dis... C'est ça, non? C'est ça? Elle peut être avec sa famille dans un restaurant, je sais pas, moi. Ok. Qu'est-ce qu'il répond? Attends... Avec une amie. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, putain, c'est mort, je savais que c'était mort. Je savais que c'était mort. Ok, dis... C'est mort? Non, juste dis, ok. Mais c'est une amie, c'est ça va, non? Hein? Deux, quoi? Dis qu'est-ce que vous... Comme... Non, juste arrête de poser trop de questions. Elle va te... Donc tu vas pas poser trop de questions aussi. Mais c'est comme... Là, t'as le choix. Si tu veux poser une question, dis genre... Qu'est-ce que vous faites dehors? Comment elle est comme? Elle prend des secrets ou elle te dit tout? Je pense que c'est une fille un peu dans son coin. Elle ok, alors laisse-la. C'est ça comme ça? Ouais. Ok. Est-ce que t'as appris à la connaître un peu? Ça fait deux mois qu'on se parle, putain! Ok, non, je vais te le dire, frère. On a déjà fait des appels, on a fait genre une heure en appel. Oh, c'était trop cool ce vibe-là. Tu parlais de quoi? De plein de trucs, de tout et de rien, frère. Et là, quand j'ai dormi, là, je lui ai juste lui parlé encore et encore. Genre, il y a une énergie, là, tu vois. On a parlé pendant une, deux heures en appel. Demande-la si elle a passé une bonne journée. Comme. Là, j'ai déjà demandé où elle allait, qu'est-ce qu'elle faisait, c'est pas. Mais est-ce qu'elle a passé une bonne journée? C'est une habitude. Pourquoi je vais demander ça, frère? Là, il faut pas aller dans les sujets plus deep, là. Genre, faut aller plus loin, non? Ben, tu veux demander quoi? Est-ce que t'as un copain? Non. Est-ce que tu veux ton... Elle a pas de copain, c'est ça. T'es sûr que tu veux aller dans ces questions-là? Elle a pas de copain déjà. Elle a pas. Ah, mec, vas-y. Pourquoi? Elle en a? Tu penses qu'elle en a un? Je sais pas. Elle a dit qu'elle a passé une belle journée. Ok. Elle t'a pas dit, et toi? Non! Yeah! Wow! Savais que c'était mort! Je savais que c'était mort! Fuck on this! Je savais que c'était mort! Elle a pas dit toi! Elle a pas dit ça veut dire quoi, c'est mort, hein? Et en plus, c'est pas la première fois qu'elle fait ça! Genre, à plusieurs reprises! Je te garantis! Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a passé une bonne journée, tout court! Dis oh cool! Comme elle l'avait fait! Je dis oh cool! Mais avec des emojis, genre! Oh cool! Avec quel emoji? Les yeux avec les lunettes là? Comme ça, là. Ouais! Ça peut être bon! C'est bon! Tu garantis qu'elle est toujours comme ça. Okay, elle est toujours comme ça. Genre, je la texte, elle est sec dans ses messages, elle est toujours sec. Mais quand on appelle, elle est cool. Ça veut dire quoi ça, genre? Elle est bizarre en fait. Pourquoi t'es comme ça? Ça fait mal ça. Comment, man? Demande-là, c'est quoi? T'es censé m'aider là. Yo. Professeur, roi, king. Demande-là, c'est quoi son style de gars? T'es censé m'aider là, tu ris de moi. C'est quoi son style de gars? Demande-là. Elle est le mec derrière, c'est ça? Mais là, c'est style des gars. Yo. C'est quoi ton... Non, comme genre... Et trouve un contexte, genre. Comment? Je sais pas. Comme, avec ma question que je t'ai dit de poser, trouve un contexte. Tu me trouves comment? Non, comme... Là, c'est trop rapide. Trop rapide? C'est quoi alors? Essaye de parler et demande là, c'est quoi ton style de gars? Je vais juste demander, tu me trouves comment? C'est bon, allons pour ton but là. Ok, vas-y. Je m'en fous là, c'est bon. Tu me trouves comment? Non, dis c'est quoi ton style de gars d'abord. C'est quoi ton style de gars? Quoi ton style de gars? Qu'est-ce que tu penses qu'elle va répondre? Qu'est-ce qu'elle doit répondre d'abord? Attends, d'abord, c'est quoi la taille qu'elle fait? La taille qu'elle fait, je ne l'ai jamais vu encore. Je sais qu'elle est plus petite que moi.
Ok, elle est plus petite que toi qui sais. Pourquoi? Pour rien. Pourquoi tu me trouves petit là? Non, parce que. Non, mais tu sais dire quoi là, frérot? Pour rien, juste pour rien. Ok, ok. Qu'est-ce bon. Qu'elle a répondu? Elle répond ou pas? Elle a pas encore répondu. Ok, okay, pour que ce soit bon signe, elle doit répondre quoi? Genre, elle doit te décrire toi. Okay. Noir, cheveux loxés, je sais pas, gros cheveux. Ok, okay. Je sais pas, je sais pas. Elle dit qu'elle a pas de style. Oh my god! Dis comment tu me trouves. Voilà, comment tu me trouves. Là, elle doit répondre quoi? Emoji, tu mets des emojis. Emoji cœur, ok? C'est ça? What the fuck? L'emoji bizarre là, qui est suspect comme. Qui fait des bails bizarres là. Les yeux comme ça? Mais moi, ouais, ouais, genre, ouais, ouais. Un emoji qui laisse okay, un doute. Ok, tu me trouves comment? Là, c'est une zipa qu'elle trouve comme son roi là. Elle me veut là, c'est mort, hein, c'est ça? En plus, t'as arrivé à plusieurs reprises, là. Je sais que tu trouves, tu sais que c'est mort, c'est ça, non? Mais pourquoi elle est aussi cool avec moi? Pourquoi on est en appel, elle est cool, pourquoi tu fais tout ça, genre? Essaye de l'appeler après, ok? On va juste voir comment elle est. Non, je veux pas l'appeler, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé. Mais okay. D'un rapport, oui, il y a 3-4 jours, je l'ai appelé, ok? Là, maintenant, elle n'a pas répondu. Une heure plus tard, je suis allé voir mon téléphone, elle a répondu, elle a écrit. Désolé, je n'étais pas sur mon téléphone, je vais dormir. Yo, oh, comme, arrête de la parler si tu veux, parce que... C'est vrai? Je pense que ça pue de chasse avec. Oh, mais non! Je fais la bonne! C'est pas pour te donner... la bonne! C'est pas pour te donner des faux espoirs, mais... Attends, qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle a dit qu'elle me trouve cool. Et elle pense que je suis un bon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'as plus de chance. Oh my god! Fuck! Regarde, frère, elle me donne tellement de bons signes! Là, si je comprends pas, je la comprends pas. Et donc, tellement de signes, tellement de signes. C'est pas grave, tu vas en trouver d'autres. Une de perdue, 10 de retrouvée. Non, mais là, c'était la 10. C'était la 10 de retrouver. C'était la 10. Le vibe est ouf. Tu comprends pas, le vibe est ouf. Et ou juste demande là, c'est est-ce que t'es son style de gars? Je vais pas aller aussi loin que ça. Si elle a répondu ça, c'est moi. Juste demande là, c'est quoi ton son style de gars? Fuck. Mais... Ok, juste laisse-moi écrire. Tu veux écrire quoi? Laisse-moi écrire. Non, tu peux pas, c'est mort. Pourquoi? Tu peux pas, pourquoi? Tu veux écrire quoi? Je veux juste la whiz comme... Non, tu peux pas. Je sais pas, ton whiz marche pas avec toi. Juste... Comment ça? Juste... J'ai un bon whiz. Moi j'ai du whiz. Je suis là avant toi, frère, tu me parles, t'as la même whiz que moi. Non, attends. Non, tu peux pas donner. Ok, la vérité, c'est que... Je lui ai écrit un message, mais elle n'a pas répondu depuis tout ce temps-là. Elle n'a rien répondu, elle n'a même pas vu le message. Yo, ça va aller. Et en plus, on est le combien? On est le 17. Il y a une semaine, je l'ai écrit un message, elle n'a pas vu le message. Soir. Regarde. Elle n'a pas vu le message. Hier, j'ai envoyé un message hier aussi, elle n'a pas vu le message. T'as encore des chances. J'ai encore des chances? Il faut toujours croire. Honnêtement, je pense que c'était la bonne. Je croyais que c'était la bonne, mais c'est mort là, non? Non, c'est pas moi, il faut toujours croire, ok? C'était la bonne, regarde! Ça va aller. 24 heures plus tard, elle n'a pas répondu. 24 heures plus tard! Oh, ok, tu veux que je te dise la vérité? Quoi? Tu n'as plus de chance avec elle. Oh! Non, je suis désolée. Désolée, je suis. C'était la bonne! C'était la. Bon, va voir sur Google. C'était la bonne! Fuck! Fuck! Oh! Si, où vas tu vas? Tu vas! Quoi? Donc, c'est moi? C'est moi? Si elle te répond pas, elle dit c'est mort. Ça veut dire quoi ça? 24 ans plus tard, pas de réponse. Ça veut dire quoi? Dis-moi, s'il te plaît. Oh, désolé, juste laisse faire. Ou peut-être même notre wifi bug. Comment c'est ça, notre wifi bug? Peut-être ça bug. Ça bug? Oui, peut-être ça bug. Juste, non. Peut-être elle a pas reçu le message. Elle a pas reçu? Peut-être. Frère, c'est chelou là. J'ai envoyé un message hier, elle a pas vu. Elle a même pas vu le message. Elle me donne des signes comme ça, après elle est bizarre comme ça. Hein? Moi je monte, je vais. Non, s'il te plaît. Le wifi bug, va voir. Donne-moi ta technique, fais ta technique. Le wifi bug. Fais quelque chose, s'il te plaît. Le wifi bug. Yeah, ok. Bon, bah, hein. Désolé. Ok, c'est bon, merci quand même pour tes techniques. Hein. Oh, okay. Merci, hein. Oui, okay. De rien. Ça va aller. Pourquoi tu ris? Ça va aller. Oh. Fuck. Je reviens tout de suite là. Bon, c'est moi. L'internet n'est pas déconnecté, tout marche, tout est clean, tout est carré. Mon petit frère m'a dit qu'il est déconnecté, mais en vrai, il marche bien. C'est-à-dire que la meuf reçoit bien mes messages, donc là, elle va sûrement juste bloquer ou bien, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave.
voilà, c'est la vie, quoi. On continue, on n'arrive rien. One week later. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant une semaine que j'ai filmé la vidéo avec mon petit frère. Et aujourd'hui, je vais vous dire si j'ai finalement eu une réponse de la meuf. Tout d'abord, je sais comment parler avec des meufs. Si tu vois ma tête là, tu crois que je ne sais pas parler avec des meufs, moi. Je sais parler avec des meufs, mais c'est juste que pour la vidéo, je voulais ajouter mon petit frère pour voir comment il fait pour parler avec des meufs. Parce que lui et son pote, la dernière fois, qui est venu dormir chez nous, eux deux, ils parlaient de meufs. Eux deux, ils étaient en appel avec des meufs. Eux deux, textaient avec des meufs. Donc là, moi, j'étais comme, what the fuck? Comment à leur âge, ils savent comment parler avec des meufs? Comment ils savent faire tout ça, frère? Genre, moi, à leur âge, je jouais avec des Beyblades, moi. Je regardais Johnny Test. Donc c'est pour ça que je l'ai ajouté dans la vidéo pour la rendre plus intéressante, tu vois. Sinon, ils sont forts. Je sais pas comment ils ont appris tout ça. Je sais pas si c'est TikTok qui apprend tout ça. Je pense que c'est TikTok. Tu vois, quand tu scrolles là, sûrement il y a des gens qui apprennent comment parler avec des meufs. C'est pour ça. Mais sinon, ils sont forts. Si t'as vu la vidéo complète, tu sais qu'à un moment, j'ai dit que la meuf à qui j'écrivais ne m'a pas répondu 24 heures plus tard. Et là, aujourd'hui, on est le 8 octobre. Si t'es bon en mathématiques, ça veut dire ça va faire plus d'une semaine qu'elle n'a pas répondu si elle ne m'a toujours pas répondu. Là, je vais vous mettre une capture d'écran des messages et vous allez voir. Voilà. Elle m'a toujours pas répondu. Message envoyé le 1er octobre, on est le 8 octobre aujourd'hui, elle m'a toujours pas répondu, frère. Une semaine plus tard. Mais putain, là, c'est du foutage de gueule, ça. C'est du foutage de gueule. Au fait, tu peux parler avec une meuf pendant des mois et du jour au lendemain, elle va arrêter de te répondre. Elle va arrêter de répondre à tes messages du jour au lendemain. De nulle part, pour aucune raison, de nulle part. Genre, juste comme ça. Frère, honnêtement, c'est une perte de temps, tout ça. Là, I'm done, bro. J'ai fini d'écrire à des meufs pour rien. J'ai fini de perdre mon temps avec des meufs. Si t'es un gars et tu parles avec une meuf qui n'est pas ta meuf, tu la parles depuis plus d'un mois, bro, arrête de la parler, s'il te plaît. C'est une perte de temps. Tu perds ton temps, bro. Focus. Là, on est focus. Là, on arrête de focus sur les meufs, la distraction, tout ça. C'est des pertes de temps, en fait. Ça sert à rien de parler avec une meuf. Enfin, parler avec des meufs dans la vraie vie. Ça, c'est mieux. Ça, j'aime ça. Parler avec des meufs dans la vraie vie. Mais pas sur texte, bro. Parce que c'est une perte de temps, frère. Tu perds ton temps. Et du jour au lendemain, elle va te lâcher, frère. C'est comme si vous êtes tous les deux en train de descendre d'une montagne. La montagne la plus haute du monde, c'est quoi? C'est le Kilimanjaro, c'est ça? Vous êtes tous les deux en train de descendre, un par un, chacun. Vous voyez, vous vous entraînez là, vous mangez, vous arrêtez et tout. Et du jour au lendemain, elle prend un parachute et descend tout seul. Tu vois, c'est comme ça les meufs vous faites, c'est comme ça, c'est ça. Il n'y a plus d'être en appel avec des meufs pendant 2-3 heures par jour, plus de tout ça bro, plus de tout ça, c'est fini. Parce que l'énergie que je donne aux meufs là, si je le gardais en moi, je serais comme ça là. Mais là, chaque jour, je donne des parties de mon énergie à des meufs, chaque jour, je donne des parties. Mais si je le garde en moi, je serais à puissance 1000 là, je serais comme ça là. Voilà, like la vidéo, dis-moi si tu as aimé la vidéo, dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une autre vidéo avec mon petit frère et son ami. Qui vont m'aider à gérer une meuf, ça va être ouf, ça pourrait être ouf. Donc voilà, like, abonne et peace pour nos vidéos. Allez, bisous, allez, peace pour nos vidéos, les gars.